Oui, c'est nice. On débute. J'avais dû enregistrer, c'est pas grave. Chut. Ah mais non, mais ça détruit pas. Ça détruit même pas. Attends. Quoi, je peux pas rentrer? Tu te fous de ma gueule le jeu, c'est ça? Je peux pas passer entre les deux. Mais il y a l'espace, putain! J'ai largement la place, t'es sérieux? Oh, mais c'est... Tu pourrais attendre que je meure de vieillesse. Tu peux mourir de vieillesse maintenant, please. Hey, il y a de la vie. Là, ça marche à la limite. Aïe. Oui, cette technique-là, elle marche en fait. Voilà ce qu'il faut faire. Sauf qu'après, il y a ça par contre. Tu te perds contre toi-même. Ne te rends-tu pas compte? Si, je m'en rends compte et ça me fait chier. La vie. Ouais, en fait, faut pas bouger, quoi. C'est le boss qui est plus simple à faire quand tu bouges pas. J'aurais voulu que ce soit une plaisanterie en plus, mais non, c'est même pas une plaisanterie, il faut juste pas bouger. Puis tu fais le boss. Voilà, dans ta gueule. C'est quoi ce bordel? Please, stop. Attends, mais je dois le détruire ce truc ou pas? Je suis même pas sûr d'y faire des dégâts. Le jeu, putain. Je vois rien. Je fais des dégâts ce truc ou pas? Je sais pas. Je sais pas si c'est la technique ou pas. Ah mais ça marche en fait. Putain, va te faire foutre. Je crois que je lui fais des dégâts. Et comme je dis, je suis vraiment pas sûr. Oui, j'ai l'impression. Il devient de plus en plus rouge le machin. Voilà, je lui ai fait des dégâts en effet. C'est fini un jour? Est-ce que tu peux avoir des. Ok. Ce jeu va me faire péter un câble. Il est où? Bon, il y a moins de jauge de vie, lui.
Ok. Oh mais non, mais sérieux, moi je m'attendais à ce que tu fasses un vrai coup d'épée, quoi. Oh non. Oh, please, tu vas pas me refaire cette étape. Tu vas pas me refaire ça. Il me refait ça. Non, mais non. Non, option. Comment jouer? Non. Bon, bah, tue-moi, please. Tue-moi. Ça me gonfle. Moi, j'en ai marre, là. Cette étape, c'est de la merde. Donc, fuck you. Voilà, tu me tues. Merci. Changer la difficulté, promenade. Oui, m'en fous. Je m'en fous des achievements, là j'en ai marre. Parce que là c'est même plus de la difficulté, c'est de l'abus. Parce que le jeu, il te laisse pas assez de vie pour découvrir à peu près tout ce que font chaque étape. Donc t'es obligé de crever pour chaque étape. Ou alors de t'adapter à une vitesse de fou. C'est pas comme si tous les boss avaient exactement le même moveset, hein. C'est pas du tout le cas. Quoi, c'est quoi? Attends, en mode promenade, il y a juste une étape? Ah oui, non, merde, il y a juste une étape. Ok.運命なんてない。道は自分で切り開くんだ。岩の上にいた奴は物知りだったな。なぜお前がここへと送られてきたのかも知っていた。空を見上げよ、太陽黒天を見よとよく言っていた。誰も耳を貸さなかったな。 Limite avec la difficulté promenade, je crois que j'ai terminé le jeu genre dans cette vidéo. Si c'est vraiment aussi simple que ça, genre tous les boss n'ont qu'une seule jauge de vie. Par contre, ouais. Je suis en train d'y penser. 10 boss. Pour 25 balles le jeu. Et le seul truc qui augmente réellement la durée de vie du jeu, c'est la difficulté. Ça fait très cher, hein, 25 balles. Ok, le jeu il a de la gueule, il est beau, il est... La soundtrack est magnifique. Mais ouais, 25 balles pour ça, quoi. あらゆるものを少しばかりの希望もな。こいつを直せる、あいつを直せるってさ。そうすりゃ俺の計画も完璧になる。だが何も見つかりゃしなかった。 Ouais,
てお前を放っておいて干からびさせる。でもそうはしなかった。お前のことはよくわからないが、悪い噂はある。俺が見たのは、まあいっか。でも俺たちには共通点が一つある。どちらも失うものがないってこと。ちなみに STS? ずっとこんなとこに閉じ込められて、まるで抜け殻だ。仕方ないが。あそこの魚面のことだが、あいつはな、気が触れてるんだ。話したいことがあるかどうか。どっちにしろ、あいつはもう喋れないと思う。C'est vraiment beau, putain. あいつのたわごとなんて無視しとけ。D'accord, là j'arrive dans l'arène, c'est de l'eau. Tête de poisson. Est-ce que ça va être réellement un poisson ? Ah bah, c'est une grande sœur. Des grandes sœurs. D'accord. Ah oui, il a deux jauges de vie, quoi. Puis il se prend là les dégâts dans la gueule. Ok. Ça va vite être fini. Putain, très très vite. Oh, bordel de merde. Bon bah c'est bon, t'es dead hein mon grand. Et gagné. Putain. C'est vraiment pour le scénario hein, le mode promenade. Pas du tout pour la difficulté. Mais c'est con. Moi j'aimerais bien un vrai entre deux en fait. Parce que t'as le mode furie qui est vraiment super dur pour quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à ce genre de jeu et qui n'a limite jamais fait le jeu pour la première fois. Puis t'as le mode promenade qui est vraiment trop facile. Mais il pouvait pas faire un entre deux? Genre faire comme le mode promenade où tu te prends moins de dégâts, l'ennemi en face il se prend beaucoup de dégâts. Mais avec toutes les étapes, il ne pouvait pas faire ça. Je sais pas, moi je trouve que c'est une meilleure idée, quoi. Yoshi, kimetase. Ore wa jiyū ni naru. Comment ça, tu vas te libérer? T'es pas déjà libre, toi? Attends, t'es le mec qui est venu me libérer. Comment t'as libéré un autre prisonnier sans être libre toi-même? Et qui plus est, techniquement là c'est moi qui fais en sorte qu'on s'enfuit. Donc ouais, c'est con que j'ai mis le jeu en mode promenade parce que j'ai ragé à cause du vieux. Mais... franchement, je vais vraiment insister sur le fait que c'est leur faute. À pas mettre un entre deux. Parce que j'ai vu la difficulté du mode Fury.
J'ose pas imaginer la difficulté du mode furieux. Celui-là, il doit vraiment être abusé. Ça doit être genre, tu prends un coup, t'es mort. Je vois que ça. Et c'est très bien pour ceux que ça intéresse, mais moi ça m'intéresse pas. Ça me rappelle le cercle de la colère dans Dante's Inferno.殺せるなら間違いなく殺していた。一瞬のうちに。奴らの次の望みはお前をまた鎖につなぐことだ。感じるか?怒りを。ならばその怒りに集中しろ。怒りを増大させるんだ。 こいつがお前にしたことをもう少し話しておこう。知っておいた方がいい。引き返すことはできないのだから。そもそもお前を連れてきたのがあいつだ。全てはあいつのせいだ。あいつが奴らにお前を捕まえさせたんだ。何百という奴らに不公平じゃないか。 Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me dire, en fait, j'ai dû faire un sacrifice au démon pour pouvoir m'enfuir de cette prison. Et obtenir ma vengeance. Ça doit être ça le scénario. Putain que c'est beau. Il y a des triforces partout. Tiens, le gamin de The Last Guardian. Osore o shiranai momo ni wa yūki no imi wa wakaranai. Omae no yūki o morau. Mec, je veux pas t'inquiéter, mais t'avais des bouts d'herbe qui traversaient ton corps. Classe comme armure. Tu vas mourir en quoi, trois coups? Ah non. T'en fais pas, tu vas la prendre ta rouste. Je suis en mode promenade. Bon, attends. Ah d'accord, c'est ça. Aïe. Et mais ce qui m'a fait mal. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Ouais, d'ailleurs, pourquoi? Pourquoi vous m'avez enfermé? Pourquoi vous avez fait tout ça juste pour moi? Ouais. Non.
Putain, imaginez cette étape avec une vraie difficulté. Ok. Et putain, je piche pas. Pourquoi ça peut marcher? Mais en plus, il me donne plus de vie en mode promenade. Sérieux, c'est une difficulté artificielle en fait, le mode furie. On te dit juste, bon bah ils font plus de dégâts, toi t'en fais moins. Ils ont plus de vie, toi t'en as moins. C'est pas une vraie difficulté ça le jeu. Là, dans ta gueule. Ah là, battu. Dead. L'avantage, c'est qu'en plus, vu que j'enregistre, je vais pouvoir me re-regarder jouer pour essayer de mieux comprendre le scénario. C'est un avantage. En tout cas, c'est vraiment un jeu fait par des Japonais hein, pour être aussi compliqué, putain. On en est au combienième boss? Cinquième, non? Et on va. Gardien. Prisonnière. Vieux Schnock, grande sœur, lui. Ah bah non, sixième boss. Ok. En même temps, pourquoi j'écouterais des gens qui m'ont fait prisonnier d'un point de vue technique? Comment ça, j'ai pas ma place ici? Oh, elle est bien la musique. Oh, c'est fini? Oh, dommage. Bah, qu'est-ce que tu fais là, merci? Putain, mais pourquoi je dirais non? Il y a tellement à apprendre. Ce serait pas plutôt à apprendre? Il n'y a pas grand chose, hein, franchement. On a vite fait le tour. Ah, désolé, j'aime pas les blondes. Putain, mais oui, mais c'est Mercy en fait. Elle a des ailes et tout. C'est elle, hein? Je joue à Overwatch là. Waouh, tu. Je tranche. Ben vas-y, dis-moi ce que t'as sacrifié, ma grande. Aouh! Je suis en mode promenade, c'est quoi ce délire avec les dégâts? Donc,
Quoi? Il est sérieux le jeu là au niveau des dégâts? En mode promenade? J'ose pas imaginer en mode normal, bordel. Prends ça dans ta gueule. Elles sont très moches tes arbalètes. Genre ça fonctionne pas un truc pareil. Hein. Va te faire foutre. Va te refaire foutre. The fuck? Donc tu te fais chier là. Merci, crève dans ta gueule. Vraiment? Putain, j'ose pas imaginer ça dans une vraie difficulté. Mais c'est quoi mon crime en même temps? Dead. Heroes never die. Sauf cette fois. Quoi, tu t'attendais pas à quoi? Ah. Ça t'a fait réfléchir. Ah, mais merde! Attends, mais j'ai fait le auto-walk! Pourquoi ça t'a coupé dans ton dialogue? T'es pas programmé pour ne pas? Il a dit un truc par rapport à plein d'espoir. Donc on est au 8ème boss. Sur 10. Ah, omae ka. Bah, tu veux que ce soit qui? Kusen shita fighter janai kara na. Demo shouri shita. Yaku ni tatou to omotte na. Omae ga zutto tatakai tsuzukete kita kara. C'est toi le boss, c'est ça? Attends, je vais quand même faire un countdown des boss. Donc le mec aux trois visages, l'habillage suceuse de bite, le vieux, il a fait péter un câble. La grande sœur. L'autre coin en armure. L'autre biatch. Puis là, c'est... Ah non, c'est le 7ème boss. En principe. だが自分史上最高の名作は破れなかった。そして太古の動物的な部分が次第に俺の脳を支配したのだ。彼女が危篤となった時。彼女が病気になった時一睡もできなかった。建築家は断念し、父が引き継いだ。 Donc il n'y a que 9 boss en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il n'y a vraiment pas de boss là? Ah mais c'est peut-être parce que j'ai mis en mode promenade. Je te rejoins dans un moment. Mm.
Ah oui, tu marches en direct. C'est pas plutôt ma ligne. Oh putain, les framerate envoient. Hein. On a perdu une vingtaine. Battements par minute. C'est ridicule. Le mec il est pas juste calme là, il est mort. Bon allez, tu vas mourir en trois coups. Ah, une sniper. Après, merci, il fallait bien combattre Widowmaker. Hein. C'est beau, c'est exactement la même map que la deuxième. On se calme les drones. Wait, what? Ah, je t'ai trouvé. Reviens ici. Elle est où? Tiens. Reviens ici. Qu'est-ce qu'il a fait? What the fuck? Ok, c'est bon. Oh bordel, mais... Putain, mais... What? Ah ouais, non mais là, en fait, plus j'avance dans le jeu et plus je me dis, mais... Imaginez dans le mode de difficulté normal. Je m'excuse, mais de ça, c'est pas facile, hein. Putain. Oh non, mais oh. Non, non, putain. Je dois refaire toute l'étape. Mais attends.
Ouais, non, essayer de bloquer, ça sert à rien. Ça bloque la sphère, mais c'est tout. Est-ce que je peux les tirer dessus? Non, je peux clairement pas les tirer dessus, en fait. Putain que c'est chaud! Voilà, dans ta gueule. Est-ce qu'elle a dit Pokémon? Aou! Aou! Tiens, dans ta gueule! T'as perdu. J'ai gagné. C'est mon jeu. Ah oui, mais ce jeu-là, je l'aurais jamais fini en difficulté normale. Réellement. J'en suis pas capable. Ça t'a pas beaucoup avantagé, hein, le contrôle manuel. Ouais, il utilisait un aimbot. Et ben, on va arrêter là. La prochaine partie, on la fait dans la prochaine vidéo. Allez. Ah, oh, mais t'as fini de parler! C'est bon?